Comment vous avez connu Sainte-Béatrice? On a construit ici le lac 55, 56, 57. Mes beaux-parents, Boyer, avaient un chalet au lac Cloutier. Puis ils ont toujours, les enfants ont toujours passé leur enfance au lac Cloutier, au chalet Cloutier. Puis quand on s'est marié, Maurice, il dit, ça lui prend un bout de terrain sur un lac. Il fait le tour du lac Cloutier, il avait plus de placement. Puis ici, on a fait le tour, surtout avec son frère. Puis, et puis il y avait un ami qui était agent pour Coke, puis il y avait un hydravion. Là, je ne peux pas donner de détails. Il a survolé pas mal la région. Et puis, ici, il y avait comme un creux. Peut-être que ça pourrait être un lac. Ça fait qu'ils ont pris des échantillons, parce qu'il n'y avait pas d'eau, là. Mais il y avait des arbres qui poussaient. Alors, ils ont fait des échantillons un peu partout. Puis, ils ont trouvé que c'était anciennement, il y a bien des années, que c'était un lac. Le fond, il était comme ça. Moi, j'ai tiré des souches du lac avec ma Volkswagen. Vraiment? Et t'as fait quoi? Parce qu'il y avait des arbres, alors ça a été coupé. Puis sais-tu qui a travaillé pour ça? Bernard Landry. Qui a coupé des arbres, puis qu'on a tout ce qu'il y avait à faire ensuite, là, pour que... qu'on ne s'accroche pas les pieds dans les souches. Bernard Landry, notre ancien premier ministre. Il a passé tout un été ici. Bernard Landry, notre ancien premier ministre? Oui. On a fait construire le chalet à 58, 57, 58, en même temps que le barrage aussi. Et le terrain ici, c'est le terrain qui était le plus accessible pour les visiteurs qui viendraient voir le lac. Ils étaient prêts à venir installer... à condition qu'il y ait 6 bases de chalets. Il y en avait 3, je pense. Puis il y avait des formes ailleurs, là, tu sais. Fait qu'on a eu l'électricité. Ouais. Ben, moi, j'étais à surpied le centre d'art à Lévis. Ça s'appelle l'Anglican. Mais l'Anglican, c'était une ancienne église. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez mis sur pied ça, l'Anglican? Ouais. Bon, la communauté anglicane, qui avait une église, un presbytère et un grand terrain, je pense qu'il n'y avait plus assez d'élèves pour opérer. Ils ont tout donné ça à la ville de Lévis. Ça fait qu'ils ont dit. Ils ont dit, Angèle, la ville a mis la clé dans l'église, dans le centre culturel. J'ai dit, oh! Puis là, la ville n'avait pas de projet, pas du tout. Mais moi, j'avais mis sur pied un club de femmes, dynamique. Ces femmes-là étaient à la maison, puis qu'est-ce qu'ils attendaient? Un événement pour les sortir de la maison. On leur a dit le cercle culturel des femmes. On a fait une pétition avec tous ceux qui connaissaient l'Église anglicane. Il y avait des petits groupes qui avaient fait un peu des petites séances, ils l'avaient occupé. On a préparé une pétition. On est allé porter ça à la ville. Et celle qui était au loisir à la ville, elle dit, Angèle, vas-y avec toutes les femmes. Oh, j'ai dit non, je ne ferai pas peur aux échevins. Je vais aller avec 4 femmes qui étaient de notre comité, dont une qui était originelle. D'origine de Lévis, Bégin, ça c'est le nom que tout le monde connaissait, qui a présenté le projet. Ça fait bien regarder ça. La semaine suivante, je reçois une lettre en disant qu'il accordait 90 000 $ pour l'engagement d'un directeur du centre d'art, plus le salaire. Puis cette pétition-là, on l'a envoyée au gouvernement, puis c'était le PQ qui était là à ce moment-là. On a reçu un avis, comme il donnait 350 000 pièces pour rénover l'église. Bon. Parlez-moi de Mada. Oh, Mada, je suis déçue, tu sais pas comment. Ça a été un an, on était une équipe de 4 ou 5, là, plus le maire. Puis c'était tout sur les personnes âgées. Hein. Et puis, bon, on a fait un
une analyse de tout ça, puis on a donné ça à... La municipalité s'est chargée de donner ça à la MRC. Puis c'est Thérèse Joly qui avait entrepris de l'écrire, puis de, elle a fait un travail extraordinaire. Mm-hmm. 2 ans plus tard, on a refait le même programme, avec les mêmes outils de travail, exactement la même chose. Alors, tout s'est fait dans l'ordre, puis c'est encore ces tablettes. Madame. Oui. Tout a été fait, tout a été compris, il y a eu des propositions, puis ça restait là. Oui, il y a eu un premier plan là, qui a été fait par la. C'était la sœur de M. Joly, Thérèse, qui était conseillère municipale à l'époque. J'en ai parlé avec elle en campagne électorale. Et moi, à la MRC, ce qu'on me dit, c'est que la ressource qui s'occupait de ça présentement, elle n'a pas été reconduite. On peut, chaque municipalité, faire notre politique, continuer la politique familiale, la politique MADA, mais il en reste que pour la MRC, pour l'instant, les ressources ne seront pas là. Parce qu'il y a plusieurs municipalités où ce que ça n'a pas levé. Ça n'a pas. Ouais. Ça, c'est Mme Loyer qui n'est pas là ce soir. C'est elle qui était, qu'on avait mandaté de s'occuper de ça. Oui, parce que je trouve ça dommage. Les temps d'énergie, dans deux périodes, qui se passent bien. Oui, je sais. Je vous comprends. C'est bien du temps perdu. Effectivement, vous avez raison. Où est rendu l'AMADA? Ah, je pense que la compilation n'était pas toute faite. Mes 5 hommes avaient tout fait ce qu'il fallait. Ça a tombé le même. Combien que ça a coûté? Parce qu'il y avait une femme qui était engagée par la MRC pour faire le tour pour tout ramasser ça. Puis le temps que tout le monde... Moi, le montant, je ne l'ai jamais calculé. Mais il y en a d'autres qui le calculent parce qu'il y a des choses à faire, puis importantes. Hein? D'abord, la première exposition, action qu'on a faite au village, a été le marché de Noël. Ça, c'était un succès, une beauté extraordinaire. Ça a parti, ça. Puis la participation était extraordinaire aussi. C'est qui le patrimoine? Hein? Ben, Daniel a dit, ben, c'est un tel, c'est un tel. On en sort 4 ou 5. J'ai dit, il faudrait ramasser des anecdotes, hein, pour savoir que. On voulait réveiller les personnes âgées, des choses comme ça. Et moi, je ne connaissais pas, ben, Daniel, puis elle non plus. Mais on s'est lancé. Elle a les invités, puis on a fait ça dans la sacristie. Avec un petit lunch à chaque fois. On a monté une vidéo sur les anecdotes qui comptaient. Et puis, ça a été projeté parce qu'on a fait un grand souper de famille. Les grands-pères, les pères, les enfants de cette journée-là. Puis, la vidéo qu'ils ont pris pendant qu'ils racontaient leur anecdote, ça a été projeté sur le mur en même temps que le souper. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Madame Bonnard. Ça fait, je vais à l'école, voir la directrice. Puis je dis, j'avais un beau programme pour les enfants, les plus 5e et 6e année, c'est sur le bonheur. Est-ce que vous seriez contente d'être mariée ou ça, que je viens une fois par mois? Ben oui, ça a marché. Puis elle m'a présenté l'institutrice de cette école-là. Alors j'ai fait ça. Et l'expérience que j'ai trouvée intéressante, j'ai dit aux enfants, savez-vous qu'est-ce que je viens faire ici? On dit oui, on le sait, c'est le bonheur. C'est un mot comme rien, ça, hein? On lance ça comme rien. Bon, moi j'ai dit, je viens vous parler du bonheur. Ça va être intéressant. Peut-être que vous n'aimerez pas ça, mais peut-être que vous allez trouver, vous forcer pour comprendre qu'est-ce que c'est. Mais, il faut que vous vouliez, par exemple. Puis si vous voulez embarquer avec moi, qu'on fait toutes sortes de choses, on passe un contrat. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Il faut chercher le dictionnaire, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le dictionnaire, c'est marqué contrat, hein? Un engagement. Ça veut dire ceux qui veulent s'engager, là, mettez-vous en rang ici, puis signez votre nom, puis tableau.
ils l'ont fait. Que j'avais quatre sujets. Le premier, c'est le bonheur avec les autres, le bonheur dans les petites choses, le bonheur, des fois le bonheur, on ne l'a pas parce qu'on a trop de peine, on a trop d'affaires. Puis l'autre, le bonheur, c'est dans la nature. Un événement heureux dans ma vie. Puis les enfants ont participé, pas mal aussi. Parlez-moi de la courte à pointe. Comment ça s'est mis ici? Oui, la courte à pointe. Là, j'ai dit, parce qu'ici, la Naudière, c'est une ville de folklore. Hein? J'ai dit, ici, ils s'en fait-tu du folklore? Y a-tu des enfants qui font du folklore? Daniel a dit non. Elle dit, mais il y en a à Saint-Côme, il y en a à Radon, il y en a aussi. Elle dit, non, ici, on n'a pas. Ben, j'ai dit, on va faire quelque chose. Il y avait une fille qui faisait du bénévolat à un moment donné à l'école. Ça fait qu'on a dit, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, là. Toi, là, tu fais faire les dessins. Tu contrôles les dessins que les enfants vont faire dans l'école. Moi, j'ai coupé mes draps. Il y avait un morceau de tissu de 10 pouces par 10 pouces. Ils ont tous fait un dessin, même les professeurs. Même les travailleurs, ils ont tous participé. Alors, il y a 103 carrés dans la courte pointe qui mesurent 11 pieds par presque 8 pieds. Et en même temps, on avait réuni, fait de la publicité pour toutes les personnes qui faisaient des courtes pointes. En même temps, dans le pavillon, on a affiché 63 courtes pointes, des belles courtes pointes. Hein? Et puis, Puis le soir, on a eu la séance des enfants qui ont fait du folklore. Puis quand on a eu fini, on avait roulé la courte pointe sur le rideau. Ils sont allés dans la salle, puis on a déroulé. C'était impressionnant. Les enfants ont couru vers la courte pointe. La criée de l'église. Mon Dieu, quelle belle expérience. C'est pas moi de ça. C'était quoi, ça? C'est quoi? Dans les nouvelles de paroisse, pour que tout ça se faisait sur le parvis d'église le dimanche après la grande messe. Hein? Ça fait que je sais pas personne qui me dit, moi, la crier sur le parvis d'église, c'est une belle activité. Hey. Les cloches ont sonné, tout le. Puis là, on a ramassé des anecdotes, pas mal d'anecdotes, puis j'en avais au moins 7 ou 8. Des enfants et des adultes qui ont exprimé des anecdotes, des histoires de Sainte-Béatrix. Hein? Oh, ça, c'était le fun, ça. Et puis, il y en avait une qui giguait, qui jouait de l'harmonica, Et puis, on a fait un encan avec des petits pots de fraises des champs, des confitures. Moi, j'ai apporté des raquettes ici. Puis Roger avait apporté un coq. Puis il chantait à l'église. Il dérangeait tout le monde. Et puis, moi, j'avais lu l'histoire de Sainte-Béatrix. Puis on racontait que l'église de Sainte-Béatrix a été construite après celle de Sainte-Mélanie. Et puis que dans la coutume, les bébés qui venaient au monde se faisaient baptiser la journée même. Mais ça, c'est comment? Puis, il fallait qu'ils aillent vers le Sainte-Béatrix à cheval. Alors, dans le chemin du lac Marie-Josée, j'ai rencontré à un moment donné deux chevaux avec deux personnes, dont un homme qui était à l'Arrainville. Ça fait que je l'arrête, puis je dis, qu'est-ce que vous faites, vous, là? Puis, j'ai dit, il me semble que j'aurais besoin de vous. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Alors, je l'ai rencontré, j'ai raconté l'histoire. Il a embarqué. Il est venu avec le cheval, le bébé, pas le vrai bébé, là, puis la cousine. On les installait au couvent pour que le monde le sache. Puis, quand on a eu fini toutes nos petites affaires, le cheval est passé devant le monde qui était assis sur les marches. Et puis, surpris, ils ont commencé à poser des questions pour dire qu'ils s'en allaient baptiser à Sainte-Mélanie, parce qu'ils disent ici, on s'en va baptiser
s'est fait faire semblant. Alors il a répondu à toutes leurs questions. Puis là, il fait semblant de s'en aller. Puis à un moment donné, il revient. Il dit, ce bébé-là, il faut le peser. On va aller à l'épicerie, c'est la balance à cochon. Parce que les bébés, ils étaient tous baptisés la journée même ou le lendemain. Il n'y avait pas du temps de changer de poids pour pas se baptiser. Mais j'ai été chanceuse. J'ai été chanceuse devant la nature que j'ai. Puis je remercie le bon Dieu à tous les jours. Puis, je suis fière. Je suis une fière pète. Ma grand-mère est venue me chercher, j'avais 9 mois. Puis il m'appelait le petit mout, parce que quand je marchais à quatre pattes, là, la tête se balançait, tu sais. Alors j'avais comme petit nom, un petit mout. Puis mon grand-père, il m'appelait la sauterelle aussi. Puis il amenait de la vie de la maison. Pourquoi vous appelez la sauterelle? Hein? Pourquoi tu vous appelez la sauterelle? J'étais toujours en mouvement, monter l'escalier, puis à partir de la troisième marche, je vois le sauteur, que je saute sur le plancher. Hein. Il ne faut pas que ça se descende comme tout le monde, puis que ça monte comme tout le monde. Mm-hmm.